اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La célébration de la naissance de la souveraine de l'humanité féminine, Sayyidatuna Fatimatu Zahra, est un privilège que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé de célébrer. Ne pensons pas qu'il est donné à tout le monde d'assister à un tel événement. Comme nous l'avons appris dans le Saint Coran, lorsque Fatima est née de sa maman, la sainte Khadija al-Kubra, personne n'était parmi les contemporains de Khadija, personne n'était présente, et en particulier les femmes de Quraysh, parce que c'était l'habitude à cette époque-là. C'était la coutume que lorsque une dame devait avoir un enfant, de faire appel aux femmes de venir l'assister. Donc, quand Khadija était enceinte de Fatima et qu'elle eut sollicité l'assistance des femmes de la Mecque, celles-ci ont refusé pour la raison que on lui reproche premièrement d'abord d'avoir accepté d'être épousée par un orphelin comme le prophète, et deuxièmement parce que le prophète a appelé les Arabes à la religion qui est l'islam et d'abandonner leur religion, le polythéisme. Donc elles ont boycotté Khadija. Donc, elle s'est trouvée toute seule. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde et les privilèges qu'elle a accordés à Sayyidatuna Khadija, a envoyé quatre femmes qui sont venues de Alamul Ghaib pour venir l'assister. Tout à coup, elle a vu une lumière qui est apparue. Et elle a vu quatre dames venir à elle. La première, c'était Sarah, l'épouse du prophète Ibrahim, alayhi salam, qui est la maman de Isaac. Sarah est venue avec trois autres dames et elle a dit à Fatima, « Je suis Sarah. » Et celle-là, c'est Asiya, la femme de Pharaon. Celle-ci, c'est Mariama, la maman de Isa ibn Maryam. Et celle-là, c'est Kulthum, la sœur de Moussa, alayhi salam. Ce sont les quatre dames qui ont assisté Khadija à la naissance de Fatima. Une des particularités de Fatima, c'est qu'à sa naissance, comme à sa mort, elle a été esselée, c'est-à-dire ça s'est fait dans le secret, où personne n'était présent. Ça s'est fait dans le secret, où personne n'était présent. Et lorsqu'elle est décédée, son mari, Ali ibn Abi Talib, l'a enterrée avec un nombre très restreint de personnes. Il l'a enterré de nuit en effaçant les traces de son tombeau. À tel point que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas où se trouve le tombeau de Fatima. Comment une personne de cette magnitude, de cette grandeur, qui est la meilleure de toutes les femmes,
et qui est même plus que cela. Nous y viendrons tout de suite. Elle est la meilleure de toutes les femmes, mais elle est également plus que cela. Fatima a 11 noms. Elle a 11 noms que je vais vous citer. Le premier nom, c'est Fatima. La racine de ce nom est Fatma, qui signifie rompre ou sèvrer. Selon un hadith qui a été rapporté de notre cher prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, celui-ci dit un jour à l'imam Ali: sais-tu pourquoi ma fille s'appelle Fatima? L'imam Ali lui répondit: je vous en prie, dites-le moi. Le prophète lui dit: c'est parce qu'elle et ses partisans et ceux qui suivent son école, sa voie, seront exempts du feu de l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont exempts du feu de l'enfer? Ça ne veut pas dire qu'ils seront les seuls à être exempts du feu de l'enfer. Bien sûr que non. Mais être exempté du feu de l'enfer est une station spéciale, une faveur divine particulière, qui fait que lorsque une personne qui est exemptée du feu de l'enfer quitte ce monde, à partir du moment où il entre dans le monde intermédiaire, dans le barzakh, jusqu'à ce qu'il atteigne la demeure éternelle du paradis, cette personne-là est exemptée de toutes les frayeurs, de toutes les angoisses, de toutes les difficultés qui se trouvent sur son chemin jusqu'à ce qu'il entre dans le paradis. C'est ça, être exempté du feu de l'enfer. L'exemption, c'est quelqu'un qui ne sera pas jugé, mais qui sera tout de suite pris en charge par la Wilayatul Fatimiyya pour entrer dans le paradis. Donc son nom, ce Fatima, ça vient de ça. Ça vient du fait que elle et ses partisans, ceux qui la suivent, sont exemptés du feu de l'enfer. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le deuxième nom de Fatima, c'est As-Sadiqa. As-Sadiqa, c'est-à-dire la véridique, la sincère. Troisième nom, Al-Mubaraka, qui veut dire la bénie. Quatrième, At-Tahira, qui veut dire la vertueuse, la pure. Cinquième, Az-Zakiya, qui veut dire la chaste. Fatima est la pure, et ceci est un verset du Saint-Coran. C'est le verset de la sourate Al-Tahrim, verset 33. Innama yuridullah li yuzhiba ankum rijsa ahl al-bayt wa yutahhirakum tathira. Dieu ne veut que vous purifiez, vous les membres de la famille du prophète, vous les ahl al-bayt, et vous purifiez d'une purification parfaite. Ce verset là parle de l'infaillibilité de Fatima et de ceux qui étaient sous le manteau. Le manteau du prophète par lequel il avait couvert Fatima, l'imam Ali, Al-Hassan et Al-Hussein. Le sixième nom, c'est Ar-Radiya, ce qui veut dire la satisfaite. Allah, le prophète, était satisfait et l'imam Ali était satisfait d'elle. Le septième nom, c'est Mardiya, la satisfaisante, la louable. Le huitième nom, c'est Az-Zahra. Fatima est appelée Az-Zahra parce que elle n'a pas de règles, c'est-à-dire les menstrues des femmes. Elle est pure tout le temps, comme Mariam. Le dixième nom, c'est Al-Batul, qui veut dire la Vierge.
Le neuvième plutôt, c'est Al-Batul. Le dixième nom, c'est Al-Hawra Insiya. Ça veut dire la houri humaine. Et la raison de cela, c'est que la naissance de Fatima a eu comme origine un fruit du paradis que le prophète a mangé avant de concevoir Fatima. Il a mangé ce fruit de son paradis à lui, le paradis de notre prophète. Ce qui veut dire que Fatima a pour origine le plus haut degré possible du paradis, qui est le paradis du meilleur des créatures, qui est le paradis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été créée à partir de ce fruit. Son corps provient de ce fruit. Alors que le corps des autres membres de la famille du prophète, des Ahlul Bayt, viennent de cette lumière qui était dans les reins d'Adam et qui est passée de rein à matrice jusqu'à arriver à Abdel Muttalib qu'elle s'est scindée en deux. Mais pour le cas de Fatima, c'est notre prophète qui a pris un fruit du paradis et c'est ça qui a été à l'origine de la naissance de Fatima. Et le onzième nom, c'est Al-Muhaddatha. Et c'est sur ce nom que nous allons parler en particulier. Al-Muhaddatha, qui signifie celle à qui les anges ont parlé. De la même manière que Maryam bint Imran, Fatima également recevait la visite des anges, des malaïka qui lui parlaient. Maryam est une forme de Fatima. C'est ça qu'il y a un lien entre Fatima et Maryam. Maryam est une représentation de Fatima. Si vous prenez le nom de Fatima, l'origine de ce nom de Fatima, selon un autre hadith bien connu, c'est le nom divin, Al-Fatir. Fatir al-Samawat wal-Ard, c'est-à-dire c'est l'existentiateur des cieux et de la terre. C'est le nom de Fatir qui est à l'origine du nom Fatima. De la même manière que le nom divin Al-Mahmoud est à l'origine du nom de Muhammad. De la même manière que le nom divin Al-Ali al-A'la est à l'origine du nom de Ali. Donc le nom de Fatima, ça vient de Fatir. Fatir al-Samawati wal-Ard. Et on verra tout à l'heure pour quelle raison. Donc le nom de ce nom-là, Al-Fatir, si vous en faites le calcul, parce que dans la langue arabe, chaque lettre a une valeur numérique. Si vous prenez la valeur numérique du nom Fatir, ça vous donne 290. Si vous prenez le nom de Maryam, ça vous donne également 290. Donc le secret de Maryam, c'est Fatima. C'est pour cette raison que Fatima est appelée Maryam al-Kubra. Parmi ses titres, il y a le titre de Maryam al-Kubra. Maryam a été la porte où la parole de Dieu a été créé et devenu un être humain en la personne de Isa ibn Maryam. Lorsque Dieu a voulu créer Isa ibn Maryam, il a créé d'abord Maryam. Et Maryam a été le réceptacle de la parole de Dieu pour la création de Isa ibn Maryam. De la même manière, Fatima est ce que Dieu a créé dans la lumière de notre prophète Mohammed, le secret de la lumière de notre prophète Mohammed, par laquelle les êtres qui sont connus de Dieu, qui sont en sa connaissance, parce que les êtres sont connus par Dieu avant d'exister,
Donc tout être qui passe de la connaissance de Dieu à l'existence, il y passe par l'intermédiaire de Fatima. Et en particulier, le livre qui a été donné directement à Fatima, venant de Dieu, qu'on appelle Mushaf Fatima. Vous avez tous entendu parler de Mushaf Fatima. Il y en a même dans leur extrême ignorance qui pensent que Mushaf Fatima c'est un Coran que les chiites utilisent, qu'ils appellent le Coran de Fatima. Donc ils ont un autre Coran qui s'appelle le Coran de Fatima. Ils ont confondu le terme Mushaf avec le terme de Coran. Il y a un hadith qui a été rapporté d'un des compagnons de l'imam Sadiq alayhi salam ou de l'imam Baqir qui s'appelait Abu Basir. Dans ce hadith, Abu Basir a interrogé l'imam concernant le Mushaf Fatima. Il a demandé qu'est-ce que c'est le Mushaf Fatima. Et l'imam lui a expliqué la genèse de ce livre qui est descendu sur Fatima en lui disant qu'un jour, c'est après le décès du prophète, vous savez, Fatima était dans un état d'affliction extrême à un tel point que Dieu lui envoyait l'ange Jibril alayhi salam qui venait à elle tous les jours pendant 75 jours d'affilée. Il venait la voir tous les jours pour la consoler. Pendant une de ces nuits, au dernier tiers de la nuit, l'ange Gabriel est venu accompagné de Mikaïl et de Israfil. Ils étaient trois. Pour lui apporter un livre. Pendant qu'elle faisait sa prière nocturne, Salatul Layl, quand ils sont venus, ils sont descendus, ils ont attendu qu'elle termine sa prière. Et quand ils ont terminé quand elle a terminé la prière, ils sont venus lui dire que la paix soit avec sur toi de la part de la paix. La paix, c'est un des noms de Dieu, Assalam. Et ils lui ont dit que Dieu nous a envoyé pour t'apporter ce livre. Et l'imam de continuer pour dire que ce livre, la couverture de ce livre est faite d'algues rouges. Alors que ses feuilles sont faites de pierres précieuses. Et ce livre a été créé à partir de l'impératif divin kun innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Il dit que ce livre a été créé à partir de l'impératif kun. C'est comme ça que Dieu a créé ce livre. Ensuite, Abu Basir a demandé à l'imam de lui décrire le contenu de ce livre. Et Abu Basir et l'imam lui a dit que dans ce livre se trouve tout ce qui existe, dans la totalité de tout ce qui existe. Il y a le nom, tous les anges qui existent, avec leur nom et leur fonction, se trouvent dans ce livre-là. Tous les prophètes, les messagers qui ont été envoyés, leur nom se trouve dans ce livre-là. Tous les peuples que Dieu a créés et qui ont reçu les messages, qu'ils soient croyants, qu'ils soient mécréants, leur nom se trouve dans ce livre-là. Et leur description se trouve dans le livre. Tous les végétaux, les arbres, les animaux, les peuples que Dieu a créés, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, leur description se trouve dans ce livre-là. Toute la totalité de la création se trouve dans ce livre. Donc l'imam s'est mis à décrire à Abu Basir le contenu de ce livre à un tel point qu'on a l'impression qu'il n'y a rien
qui ne se trouve pas dans ce livre-là, rien qui existe. On ne parle pas seulement des êtres humains ici. Ça parle de tout ce que Dieu a créé. Jusqu'au jugement dernier, se trouve dans ce livre-là. Et quand il eut terminé, Abu Basir s'exclama en dire que donc, c'est un grand livre. Et l'imam lui a dit, tout ce que je viens de te dire n'est contenu que dans la première page de ce livre. Et je n'ai même pas commencé à te dire une seule lettre concernant la deuxième page. Or, c'est un livre qui est plus volumineux que le Coran. Il est trois fois plus volumineux que le Coran. Et tout ce qu'on vient de dire se trouve sur la première page. Parce que Fatima, c'est par elle que Dieu a tout créé, tout ce qui existe. Je ne parle pas seulement des êtres humains, ni de la terre, ni de notre univers, de tous les univers possibles et imaginables, de la post-éternité, de la pré-éternité à la post-éternité, ont été créés de la lumière de Fatima. Ces êtres-là ont passé de la connaissance de Dieu à l'existence par le livre de Fatima, qu'on appelle Mushaf Fatima. Donc c'est ça Mushaf Fatima. C'est pas ce que ces gens-là ils racontent, qui n'ont aucune idée de quoi il s'agit. Tout ce qui existe. Et quand on dit livre, il ne faut pas imaginer que le livre en question se limite seulement à un objet qu'on appelle un livre. Lorsqu'on parle de livre ici, ce livre-là, c'est quelque chose qui est à la fois physique et spirituel. C'est-à-dire quelque chose qui descend sur la personne de Fatima, qui se trouve dans l'âme de Fatima, qui est le secret contenu dans Fatima. C'est le livre de la création. C'est le grand livre de Dieu. Kitabul Ilahiyatul Akbar. C'est ça le livre en question. C'est le Kitabul Ilahiyatul Akbar. C'est le livre, le plus grand livre de la création, de tout ce que Dieu a créé. Quand Abu Basir a interrogé l'imam concernant ce livre par rapport au Saint-Coran, il lui a demandé, et qu'est-ce que ce livre par rapport au Saint-Coran? Et l'imam lui a dit qu'il n'y a rien dans ce livre concernant le Saint-Coran. Ce livre n'est pas le Saint-Coran. Il n'y a aucune chose du Saint-Coran dans ce livre. Ce livre est un livre qui est descendu directement sur Fatima. Et ces trois anges-là qui sont venus descendre ce livre. En méditant sur ça, ça vous aide à comprendre. Ça nous aide à comprendre et à découvrir un petit peu quelle est la réalité de Fatima. Qui était Fatima? Pourquoi elle est scellée? Pourquoi Fatima est comme ça, comme couvert d'un voile, de sa naissance jusqu'à sa mort? Parce qu'elle est le secret de la création. Fatima est le secret de la création. Dans un des hadiths al-Qudsi, authentique, qui a été rapporté de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Dieu s'est adressé à notre prophète. Comme vous le savez, les hadiths al-Qudsi, ce sont des paroles de Dieu. Mais ce n'est pas le Coran. Ce sont des paroles de Dieu. De la même manière que Dieu s'adressait aux autres prophètes, les livres des autres prophètes ne sont pas comme le Coran. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Mais les livres des prophètes comme Taurat ou l'Injil, Suhuf Ibrahim, etc., tous ces livres-là, ce sont des paroles de Dieu, mais exprimées avec le langage du prophète qui reçoit la parole. C'est-à-dire c'est le prophète qui donne, qui transmet la parole en utilisant des mots qui viennent de lui, qui viennent de son être, de son inspiration à lui, avec ses propres mots. Alors que le Coran, ce n'est pas les mots du prophète.
C'est la parole de Dieu. Donc le hadith al-Qudsi, ce hadith al-Qudsi, Dieu il dit au prophète, si ce n'était toi, je n'aurais rien créé. Ensuite il a dit, si ce n'était Ali, je ne t'aurais pas créé. Et enfin il lui dit, si ce n'était Fatima, je ne vous aurais pas créé tous les deux. Comment il faut comprendre cela? Pourquoi Dieu dit au prophète que si ce n'était Fatima, je ne vous aurais pas créé toi et Ali? C'est parce que Fatima, c'est par elle que la réalité est passée de la non-existence à l'existence. C'est passé de la non-existence à l'existence. Elle est la porte de Dieu par laquelle les choses passent de la connaissance de Dieu vers la réalité de l'existence. Parce que toute chose se trouve dans la connaissance de Dieu avant d'être créée. Et toute chose, la création a commencé par Dieu, en Dieu, avant de passer à l'existence. Et dans la lumière de Muhammad, qui est l'origine de toute la création, il y a la lumière de Fatima, par laquelle Dieu a rendu les choses à l'existence. C'est ça la valeur, la station de Fatima. C'est pourquoi Fatima est supérieure à tout ce que Dieu a créé, à l'exception de Muhammad et de Ali. Il n'y a que Muhammad et Ali. À part Muhammad et Ali, tout ce que Dieu a créé, Fatima est supérieure à ça. Il est rapporté qu'au jour du jugement dernier, lorsque il s'agira pour Fatima de rentrer dans le paradis, Dieu va ordonner à toute la création de baisser leur regard, parce que Fatima doit rentrer dans le paradis. Tout le monde va baisser son regard. Tous les prophètes et les messagers, tous les saints et les hommes de Dieu, et tous les êtres humains, hommes et femmes, seront ordonnés, il leur sera ordonné de baisser leur regard, parce que Fatima va rentrer dans le paradis. C'est ça qui décrit l'imminence suprême de Fatima Zahra. Et pourquoi notre prophète a dit qu'elle est une partie de lui-même. Et que Dieu se fâche quand elle se fâche, et Dieu est content quand elle est contente. C'est-à-dire la volonté de Dieu, le contentement de Dieu et la colère de Dieu sont totalement en accord avec la volonté et le contentement et la colère de Fatima. Donc on ne peut pas voir, on ne peut pas concevoir un être qui soit aussi grand, plus grand que Fatima, à part son père, le prophète, et son mari, l'imam Ali. Et vous verrez que dans le hadith, le fameux hadith Al-Kissa, que Cheikh Taha nous a raconté tout à l'heure, lorsque Dieu s'est adressé à ses anges en leur disant que tout ce qu'il a créé, c'est pour l'amour de ces cinq qui se trouvent sous le manteau du prophète. Et quand l'ange lui a demandé qui sont ces cinq, Dieu n'a cité que le nom de Fatima. Il a dit Fatima tu wa abiha wa ba'liha wa baniha. C'est la centralité de Fatima qui est exprimée dans ce hadith. Sa centralité dans toute l'histoire du hadith al-Qisa. Quand le prophète est venu chez Fatima,
quand il a demandé à Fatima de le couvrir avec le manteau, et quand elle est rentrée dans le manteau, et que les autres sont venus la rejoindre, et que Dieu s'est adressé aux anges en citant le nom de Fatima uniquement, et la relativité par rapport à Fatima, c'est-à-dire Fatima et son père et son mari et ses enfants. Cette centralité de la personnalité de Fatima n'est pas bien assimilée par la Ummah islamique. La Ummah islamique n'a pas assimilé cette centralité-là, ni le secret, ni la stature de Fatima. Dans un des ziyara qui a été enseigné par les imams, s'adressant à Fatima dans la ziyara, l'imam dit: ô toi qui a été couvert par le voile, dans le voile de la prophétie, hijabul nubuwa. Parce que quand le prophète il dit qu'elle est une parcelle de moi, ça démontre que Fatima était dans la même position que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le hijabul nubuwa dans laquelle elle est couverte dedans. Elle était dans la même position. C'est pour cette raison qu'après le décès du prophète, l'imam Ali était à la fois l'autorité et le subordonné de Fatima. Il était les deux à la fois. À la fois son autorité et son subordonné. Fatima a été blessée après la mort du prophète. Pas parce qu'elle était assise et on l'a blessée, mais c'est parce que quand on a voulu amener l'imam Ali pour lui faire faire l'allégeance par la force, elle s'est interposée entre ceux qui voulaient prendre l'imam Ali et l'imam Ali. C'est pour ça qu'on l'a blessé. Ça, c'est important de le comprendre. C'est elle qui s'est levée, qui s'est interposée pour protéger l'islam, pour protéger la wilaya. Mais en même temps, l'imam Ali était obéissant envers Fatima. Il lui a donné des instructions que l'imam Ali a respectées scrupuleusement. Et parmi ces instructions, il y avait le fait qu'il devait épouser telle femme après lui. Il a dit, il faut marier telle femme après moi pour qu'elle puisse s'occuper de mes enfants. Elle lui a dit, enterre-moi la nuit en présence de un tel et de un tel et de un tel, et que personne d'autre n'assiste à mon enterrement. Et quand tu m'auras enterré, il faut effacer les traces de mon tombeau. Tout ça, c'est elle qui lui a donné ces instructions-là. Peut-être on ne connaît pas tous les secrets liés au fait que le tombeau de Fatima soit caché. Bon, on dit que c'est parce qu'à cause de l'affliction et du fait qu'elle ne voulait pas que ceux qui l'ont offensé assistent à son enterrement, mais il se pourrait aussi qu'il y ait d'autres raisons beaucoup plus profondes que ça qui sont derrière tout ça. Et Inch'Allah, quand notre imam viendra, Inch'Allah, on saura tout ça. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أحلو ولا تفعل بما أنا أحلو اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد